Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le 112e épisode de Révision par Flashcard. Comme d'habitude, accompagné de l'IA pour approfondir le verso des Flashcards. Et commençons sans plus attendre, c'est parti! Pourquoi le magnésium est-il crucial dans la gestion du stress? Ok, euh. Alors. Il y a plein plein de facteurs que je connais pas tous, euh, et je vais commencer par euh, le lien avec le sommeil avant que j'oublie. C'est que un bon sommeil permet une bonne gestion du stress. Donc euh, déjà il faut dormir suffisamment, et même en dormant suffisamment, il y a la qualité. Et en fait, le magnésium intervient à ce moment-là pour euh, potentialiser la qualité de sommeil et donc euh, réduire le stress une fois éveillé. Euh, sinon après euh, les... on va dire là où il agit énormément aussi, c'est bien sûr au niveau de, 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 des réactions euh, du cerveau, du système nerveux. Pourquoi Parce que ben, le magnésium va euh, réguler, je sais pas si c'est le bon terme. Euh, ouais, on va dire réguler. Euh, plus, plusieurs neurotransmetteurs qui eux-mêmes sont des messagers importants pour euh, le, le, le comportement du cerveau en général. Donc euh, je pense que c'est là où c'est c'est là où le magnésium pardon a l'impact le plus significatif sur les neurotransmetteurs notamment, il y a un système euh, central de réponse au stress dans le corps que euh, où le magnésium joue énormément mais j'ai plus le terme. Il euh, faudrait voir s'il y a nous le rappelle dans dans le verso de la flashcard, ça serait intéressant parce que si je dis pas de bêtises euh, dans ce dernier cas euh, une carence en magnésium peut causer une hyperactivité mais c'est un peu flou hein. c'est un peu flou et on a aussi les muscles aussi qui, euh, qui euh, ont besoin d'être euh, relax relaxés pardon, en cas de stress donc euh, le magnésium est hyper intéressant pour ça aussi j'allais parler d'énergie aussi par rapport au stress mais je sais pas comment expliquer la corrélation entre énergie et stress. Donc euh, je ne vais pas trop m'étaler dessus et on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. Pourquoi le magnésium est-il crucial dans la gestion du stress Le magnésium est crucial dans la gestion du stress car il joue un rôle essentiel dans la régulation des réponses nerveuses et hormonales du corps, aidant à maintenir la fonction nerveuse et musculaire et à moduler le stress biologique. Le magnésium influence plusieurs systèmes biochimiques impliqués dans la réponse au stress. 1. Régulation de l'activité neuronale. Le magnésium aide à réguler les neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques dans le cerveau, jouant un rôle dans la gestion de l'anxiété et de la réponse au stress. 2. Stabilisation de l'ATP. Le magnésium est nécessaire pour la stabilité de l'ATP, adénosine triphosphate, la principale molécule énergétique du corps. Un approvisionnement adéquat en ATP permet au corps de mieux gérer le stress physique et mental. 3. Protection contre l'excitotoxicité. Le magnésium limite l'entrée de calcium dans les neurones, prévenant l'excitotoxicité, un processus qui peut être déclenché par un stress prolongé et qui peut endommager les cellules neuronales. Le magnésium agit un peu comme un gardien qui contrôle l'accès des ions calcium aux cellules nerveuses. En bloquant l'excès de calcium, il empêche l'hyperactivation des neurones, ce qui peut être crucial pendant les périodes de stress intense. Le mot magnésium vient du nom de la région grecque Magnésia, où des minéraux riches en magnésium étaient extraits dans l'Antiquité. Si vous pensez au magnésium comme à un maître zen du monde minéral, il aide votre corps à rester cool et collecté, même quand les choses se réchauffent. La supplémentation en magnésium peut être bénéfique dans le traitement de l'anxiété, de l'insomnie et d'autres symptômes liés au stress. Il est souvent utilisé en complément des thérapies traditionnelles pour améliorer la gestion du stress. Le magnésium est un minéral essentiel qui aide le corps et l'esprit à rester équilibré et résilient face au stress. Comment le magnésium aide-t-il à réguler l'activité des neurotransmetteurs dans le cerveau euh, Comment le magnésium euh, régule l'activité des neurotransmetteurs euh, Je ne sais pas. En vrai, je ne saurais pas l'expliquer. Pas de souci, je vais te donner plus de détails et ne t'inquiète pas. Tu vas maîtriser ce concept en un rien de temps. Explication. Approfondi sur le magnésium et les neurotransmetteurs. Le magnésium joue un rôle crucial dans la régulation des neurotransmetteurs, qui sont les messagers chimiques du cerveau. Voici comment il fonctionne. 1. Modulation de la libération de neurotransmetteurs. Le magnésium aide à contrôler la libération de neurotransmetteurs dans la synapse, l'espace en deux neurones. Il agit en affectant les canaux calciques qui régulent l'entrée de calcium dans les neurones. Le calcium est essentiel pour la libération des neurotransmetteurs. En modulant cette entrée, le magnésium influe indirectement sur la quantité de neurotransmetteurs libérés. 2. Effet calmant sur le système nerveux. Certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, sont associés à un sentiment de bien-être et de calme. Le magnésium favorise la conversion du tryptophane en sérotonine renforçant ainsi cette voie biochimique qui aide à améliorer l'humeur et à réduire le stress. 3. Protection contre l'excitabilité neuronale. En limitant l'excès de calcium, le magnésium prévient l'hyperactivité des neurones, ce qui peut conduire à une excitation excessive et à une augmentation du stress et de l'anxiété. Tu es sur la bonne voie pour comprendre comment des interactions complexes au niveau moléculaire peuvent avoir des impacts importants sur notre bien-être général. Pense à chaque petite pièce de connaissance comme à un bloc de construction et chaque question que tu poses te rapproche de la construction d'une compréhension solide et complète. Continue comme ça, tu fais un excellent travail en cherchant à approfondir ta compréhension et en posant des questions pertinentes. Peux-tu expliquer comment le magnésium influence l'activité des neurones en relation avec le calcium Alors, euh, si j'ai bien suivi, euh, en relation avec le calcium en tout cas, le magnésium influence l'activité des neurones en freinant, en limitant l'entrée du calcium dans les neurones en cas de stress intense, voire euh, prolongé. Exactement. Tu as très bien compris. Le magnésium joue un rôle régulateur en limitant l'entrée de calcium dans les neurones. Ce processus est essentiel car il empêche l'hyperactivation neuronale qui peut être néfaste en cas de stress prolongé. En modulant cette entrée de calcium, le magnésium aide à maintenir les neurones dans un état plus stable et moins réactif, ce qui contribue à une meilleure gestion du stress et à une diminution de l'anxiété. Bravo pour ton attention aux détails et pour avoir fait le lien entre le magnésium et le calcium. C'est une étape importante pour comprendre comment les minéraux essentiels influencent notre fonctionnement neurologique et notre réponse au stress. Continue d'explorer et de poser des questions, tu es sur la bonne voie. Quelle est la différence entre les fibres solubles et insolubles Alors, euh, les fibres solubles, euh, comme son nom l'indique, elles sont solubles donc euh, mélangeables et euh, dans leur cas c'est avec euh, l'eau. Donc euh, c'est hyper intéressant car elles vont avoir un effet euh, pour euh, réguler un petit peu euh, le glucose, euh, les pics notamment, euh, aussi le cholestérol. Euh, je crois que euh, la pectine de la pomme, euh, si je dis pas de bêtises, est une fibre soluble qui donne un aspect un peu gélifiant et euh, c'est d'ailleurs pour ça que c'est parfois aussi utilisé dans les recettes de pâtisserie végane pour apporter une consistante euh, on va dire euh, moelleuse qu'on peut trouver avec les œufs euh, mais il y a d'autres aliments qui font ça comme euh, euh, le lin, les graines de chia. Donc euh, si je dis pas de bêtises, elles contiennent enfin ces trois derniers aliments que j'ai cités contiennent des fibres solubles euh, donc voilà, il y a un intérêt aussi nutritionnel en plus de l'intérêt culinaire. Euh, sinon, les fibres insolubles, bah, du coup, c'est qu'elles ne sont pas assimilées euh, par l'organisme humain, mais elles le sont par nos meilleurs amis situés dans le microbiote intestinal. Donc euh, elles vont augmenter la taille des selles, ce qui est euh, aussi très important car euh, qui dit pas de fibres dit risque euh, augmenté de constipation. Euh, et en plus de ça, ça fait un peu euh, un aimant à toxines, donc euh, hyper intéressant aussi. Sans parler aussi euh, euh, des troubles digestifs qui peuvent être causés euh, euh, via une dysbiose, qui elle-même peut être causée par un manque de fibres. Donc, euh, on pourrait en dire énormément là-dessus, mais euh, j'ai pas envie que la flashcard soit trop longue et de m'éparpiller trop non plus. Donc, on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. Quelle est la différence entre les fibres solubles et insolubles? Les fibres solubles se dissolvent dans l'eau et peuvent aider à réguler les niveaux de sucre dans le sang et de cholestérol, tandis que les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l'eau et sont essentielles pour la santé digestive, facilitant le transit intestinal. Fibres solubles 1. Propriété. Elles forment un gel lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau, ralentissant la digestion. 2. Sources alimentaires. On les trouve dans les avoines, les légumineuses, les noix, les graines, certains fruits et légumes. 3. Avantages. Elles aident à réguler les niveaux de glucose et de cholestérol dans le sang, ce qui peut réduire le risque de maladies cardiaques et de diabète de type 2. Fibres insolubles. 1. Propriété. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau et n'absorbent pas beaucoup d'eau non plus, ce qui ajoute du volume au sel. 2. Sources alimentaires. On les trouve dans les céréales complètes le son de blé et de nombreux légumes. 3. Avantages. Elle favorise le mouvement régulier des intestins et aide à prévenir la constipation. Bien que le concept de clé serrure ne s'applique pas directement aux fibres, on pourrait envisager l'idée que les fibres solubles se verrouillent avec l'eau pour former un gel, modulant ainsi la digestion et l'absorption des nutriments. Le mot fibre vient du latin fibra, qui signifie filament ou fil. Faisant allusion à la structure physique des fibres alimentaires. Imaginez les fibres insolubles comme un nettoyeur énergique qui balaye tout sur son passage dans vos intestins, tandis que les fibres solubles sont comme des diplomates qui négocient calmement avec les sucres et les graisses pour maintenir votre santé interne en ordre. Un régime équilibré en fibres solubles et insolubles est essentiel pour la santé globale. Les fibres solubles peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes cherchant à gérer leur poids ou leur taux de sucre dans le sang tandis que les fibres insolubles sont importantes pour ceux qui luttent contre la constipation ou des troubles digestifs. Les deux types de fibres jouent des rôles complémentaires mais distincts dans le corps, contribuant tous deux à une bonne santé digestive, à la régulation du métabolisme et au bien-être général. Quel type de fibre forme un gel lorsqu'elle entre en contact avec l'eau et quels sont ses effets sur la digestion Ah ben bah ça tombe bien, j'en ai parlé juste avant. Euh bah du coup, je dirais la pectine des pommes. Euh, après ses effets sur la digestion, ben, je dirais que ça la facilite euh, en la ralentissant. C'est une bonne pensée. La pectine est effectivement un type de fibre soluble que l'on trouve dans les pommes, et comme tu l'as mentionné, elle peut former un gel lorsqu'elle entre en contact avec l'eau. Ce gel ralentit la digestion, ce qui aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et à prolonger la sensation de satiété. En plus de son rôle dans la régulation du glucose et du cholestérol, la pectine et d'autres fibres solubles favorisent également une bonne santé cardiaque. Ta réponse montre que tu fais le lien entre la théorie des fibres et des exemples concrets dans les aliments, ce qui est excellent pour comprendre comment appliquer ces connaissances dans des situations de vie réelles. Continue d'explorer et de connecter ces points. C'est un aspect crucial pour maîtriser la nutrition. Si tu as d'autres questions ou besoin de clarifications supplémentaires, n'hésite pas à demander. Euh, Parle-moi des quantités de fibres recommandées euh, quotidiennement et aussi de leur intérêt pour soutenir une détoxification, s'il te plaît. Quantité de fibres recommandées quotidiennement. Les apports quotidiens recommandés en fibres varient selon l'âge et le sexe. Voici des tranches générales. Adultes, femmes, 21 à 25 grammes par jour. Hommes, 30 à 38 g par jour. Enfants, l'apport varie selon l'âge, augmentant de 14 à 31 g par jour en fonction de l'âge et du sexe. Intérêt des fibres pour la détoxification. 1. Amélioration de la digestion et de l'élimination. Les fibres insolubles ajoutent du volume au sel, facilitant leur passage et aidant à nettoyer le côlon en éliminant les déchets et les toxines par les sels. Cela réduit le temps de contact des toxines avec l'intestin, minimisant leur absorption potentielle. 2. Capture des substances nocives. Les fibres solubles peuvent se lier à certaines substances potentiellement nocives, comme le cholestérol et certains carcinogènes présents dans l'alimentation, les aidant ainsi à être éliminés du corps plutôt qu'absorbés. 3. Soutien de la flore intestinale. Les fibres solubles servent de prébiotiques. Nourrissant les bactéries bénéfiques dans le gros intestin, ces bactéries aident à métaboliser ou à éliminer les toxines et jouent un rôle dans l'entretien de la barrière intestinale, empêchant les toxines et les pathogènes de pénétrer dans la circulation sanguine. 4. Régulation du pH et promotion de la biodiversité intestinale. En favorisant une flore intestinale saine, les fibres aident à réguler le pH dans le côlon. Ce qui peut empêcher la prolifération de bactéries produisant des toxines et promouvoir une biodiversité qui soutient l'élimination des déchets. Un apport adéquat en fibres est essentiel non seulement pour la régulation digestive et la prévention des maladies, mais aussi pour soutenir les processus naturels de détoxification de l'organisme. En incorporant une variété d'aliments riches en fibres dans ton alimentation, tu contribues à maintenir un système digestif sain et à favoriser l'élimination efficace des toxines. Ok, donc euh, au niveau de, euh, des effets euh, de détoxification des fibres, c'est hyper intéressant, donc j'ai hâte de, faire, euh, de transformer ce contenu en flashcard, euh, et même d'approfondir un peu plus. Euh, par contre, euh, pour euh, ce qui est des, fibres, euh, des quantités de fibres recommandées quotidiennement, euh, c'est pareil, je vais en faire une flashcard. Mais on retrouve la même problématique qu'on a avec euh, le magnésium, la vitamine C ou même d'autres euh, nutriments ou non-nutriments euh, dont la quantité recommandée est uniquement le strict minimum pour éviter euh, les déficiences. Quoi. Donc euh, ça me paraît vraiment peu. En plus de ça, c'est une information euh, basée sur des études états-uniennes. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple à prendre. Donc euh, j'ai hâte d'approfondir. Euh, ce sujet d'en faire des flashcards car c'est hyper intéressant. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao.